Là, t'es en film. Regarde. Il y a le point rouge qui filme là, d'accord. Et quand tu as... Regardez comment je le cadre. Regardez les yeux.
pouvez vous permettre de cligner des yeux ou de le perdre pendant un dixième de seconde. Mais la problématique, c'est quand il va vous assaillir le coup. Dans les cordes. Et bien, vous allez fermer les yeux, et au bout d'un moment, vous êtes perdu. Et là, vous ne savez plus. Parce que même si vous êtes débordé, parce qu'il a fait vous assaillir, je suis bloqué. Maintenant, on va faire les engrines, vous allez voir. Je suis bloqué dans les cordes, je n'arrive pas à sortir. Il est en train d'essayer de le toucher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de s'acharner sur vous. Il est en train de vous mettre la misère, d'enchaîner, parce que vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Donc vous vous protégez, vous. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va y avoir un trou, bam, il y en a un, dans tout cela, qui va passer. C'est celui-là qui va vous tomber. Donc il insiste, bam, 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 et celui-là, il est passé. Okay? Donc c'est là où il ne faut pas perdre la notion de contrôle. Parce que vous allez cligner des yeux, je cligne des yeux, et là, voilà, là, je suis tout. À un moment donné, je suis perdu. Avec des impacts, hop, j'ai perdu la notion, parce que je clignais des yeux, et là, vous n'arrivez plus à prendre vos repères, et vous ne savez plus où ça arrive. Et c'est là où vous faites toucher, puisque votre protection est décalée, puisque vous savez plus où ça vient. Vous comprenez? Parce qu'il faut que j'aille cligner des yeux. Vous êtes ancré, là, vous protégez. Et là, je m'en sors. Ok? Donc, à un moment donné, il va falloir contrer, quoi. Et sortir. Ne pas rester. Et ça, on va pas y arriver. Allez, ils sont au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quand on s'entraîne en salle, vous entraînez, vous avez tout l'espace qui vous est attribué pour votre travail. Là, c'est pas très grand. Vous pouvez être dans des salles comme la mienne, elle fait 500 mètres carrés. Vous pouvez vous sauver. Quand vous faites cadrer en sparring, vous pouvez vous sauver. Dans un ring, vous pouvez pas vous sauver. Le ring, il fait 6 mètres par 6 mètres. Un ring normalisé, vous avez les 4 coins, et à un moment donné, le but de la stratégie du combat, c'est toujours être maître du cadrage de votre adversaire. Donc c'est quoi? C'est l'emmener dans un coin de ring. C'est la première des règles. Il faut ne jamais se laisser emmener, parce que lui c'est ce qu'il va essayer de faire, il va essayer de vous emmener dans un coin de ring, vous emmener dans les chambres. Et vous, c'est d'essayer d'emmener lui et de ne pas vous y faire emmener. Donc c'est pour ça que on attaque un combat toujours au milieu du ring, et qu'au fur et à mesure que le combat arrive grand, et bien on cadre l'adversaire. Et souvent, il y a des boxeurs, il faut savoir boxer en avançant et en reculant. C'est très important. Ok, faut pas toujours. Parce que moi, je suis costaud, je suis un bourrin, donc je ne crains pas les coups, je me couvre, même si j'en prends, je m'en fous. Et j'avance toujours sur mon adversaire. C'est moi qui vais le cadrer, c'est moi qui vais l'avancer. Ok. Parce que le jour où tu vas tomber sur un mec, ou parce que tu vas être touché, tu vas te faire péter une côte, et qu'il va falloir qu'on inventer le combat, que tu ne pourras plus avancer, et bien il va falloir que tu saches boxer aussi en contre. Donc en reculant. Okay. Vous avez vu, je l'ai contré, mais en reculant. Enfin, en avançant sur lui. Je l'ai boxé en reculant. Et c'est hyper important. Donc ça, c'est les premières détails. Ensuite, donc, c'est d'emmener votre adversaire dans les côtes. Ok, donc il assaille le coup, le câble, il veut partir par là. Je l'empêche de partir, je veux partir par là, je bloque la route, et je l'emmène soit dans les cordes, soit dans le coin du ring. Le coin du ring, c'est idéal, parce que dans les cordes, il va avoir une amplitude pour sortir. Le coin du ring, il a plus une amplitude. Ici, c'est moi qui suis maître de la situation, ok? Je le bloque, donc là, allez, là ça y est, ok? Allez, vous avez vu? Allez, je rentre, allez. Il veut sortir, mais il veut partir. Il est bloqué, il veut partir par là. Je le pousse, on revient dans les cordes. Ok. Et je le maintiens dans les cordes. Ok, il est dans la merde. Dans la merde parce que il essaye de partir, mais j'ai contré à droite, je contre à gauche. Et là, ça fait le coup. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y en a un qui va rentrer. Ok. Je vais le toucher. Il faut qu'il s'en aille. C'est vraiment le danger pour lui. Donc, situation inverse, je suis là. Il m'assaille. Ok. À un moment donné, au lieu d'être sur la défensive, ok, continue. Arrête-toi. Voilà, il est là. Ok. Regardez-moi. On a tous tendance. On se court. Ok. On ne le quitte pas. Je suis comme ça, regardez. Je suis vraiment fermé dans la couverture. Parce qu'il m'assaille de partout. Donc je me ferme dans la couverture. Mais je n'ai toujours pas perdu. Hein. Toujours en train de regarder ici. Hein. Malgré que je sois protégé. Ok. J'essaie de partir. Ok.
Je peux pas, il m'a repris, il m'a bloqué. J'essaie de partir par là. Il m'a bloqué. Et là, regardez, hop, à toi. Au lieu de continuer d'être sur l'arrière, je rentre sur lui. Ok. Je rentre sur lui, comme je rentre encore à corps. Et puis comme il y a un enchaîné, il faut que ce soit très rapide. Je rentre sur lui. Ok. Je rentre sur lui encore à corps. Et là, regardez, je vais passer ma main à l'intérieur. Rien. C'est moi. Tu la maîtrises totalement en mouvement. Ok, middle, et là, et là.